Et dans la gestion de cette crise inédite, le ministre de la Santé a affirmé cet après-midi que le pays travaille sur une application informatisée de suivi des personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Jacques Rénal rassure également la population quant au navire péruvien qui a quitté le Fénois. Il a ajouté qu'en attendant l'ouverture des lignes aériennes internationales, le gouvernement travaille aussi sur les conditions dans lesquelles les hôtels pourraient accueillir à nouveau des touristes. Je vous propose de l'écouter. C'est assez compliqué, mais c'est surtout la mise en place de procédures qui ne nous semblent pas, pour l'instant, être compatibles avec ce que les hôtels attendent, hein, ou qui ne semblent pas aux hôteliers, très probablement, correspondre à ce qu'ils pourraient mettre en place. Mais je réserve mon propos dans la mesure où nous sommes en discussion à l'heure actuelle au niveau du gouvernement avec Madame Nicole Bouteaux, pour ce qui concerne le tourisme, avec le président du pays, sur l'élaboration d'un scénario qui permettrait éventuellement d'ouvrir le tourisme dans une zone qui serait réservée.